Tu as fait ça sans nous? Oui, exactement. J'ai fait ça sans vous aujourd'hui. J'avais un petit peu de temps. J'avais envie de réfléchir à un design de portail tranquille. J'ai envie d'ajouter plein de petits trucs cool à ce portail, notamment des espèces de systèmes, de tuyaux, de pompages. Alors, de quelle couleur on va le faire ce portail? Attends, j'ai pas essayé de l'allumer. Ah, ça marche pas. Ah, chouette, ça dis donc. Peut-être un peu trop large. J'étais persuadé qu'on pouvait faire un truc rond. C'est marrant. Il va y avoir un endroit qui passe pas là. Je vais devoir refaire mon portail. 21 sur 21. Ah ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Attends, mais là le portail il est aussi gros que là-bas. Je vais quand même vérifier si on peut pas faire plus gros. Hein. On va pas croire le chat non plus sur parole. Ah, bon. Ouais, non, ça pose problème quand même. Ah, oh, je crois que je vais le refaire. Tant pis. Bon, j'ai un problème. Voilà ce que je peux au mieux faire. Ah mais attends, parce que ça je peux le péter ça. Ah. En vérifiant si ça marche quand même. Fais quoi de beau? Alors là je fais un portail du Nether. Ça sera mon hub Nether. Un portail steampunk qui ressemble à ça. Ça, c'est un projet. En gros, là, ce que je vais vous montrer, c'est une île un champignon dans le thème steampunk qui a été terraformé et dans laquelle je rajoute, enfin, je fais en créa mes builds et je les refais en hardcore. Donc, il y a plusieurs biomes. Alors, on a une zone un peu industrielle, mais en fait, c'est pas le bon shaders depuis tout à l'heure. Donc, voilà. Et en fait, le but, c'est Vanilla, ouais, Vanilla. Le but, c'est de faire des grosses fermes redstone et de les camoufler avec des jolis builds. Donc, par exemple, ça, là, le phare, là, c'est une ferme à mob. Bon, toutes les fermes sont enterré. Hein. Donc voilà, et là en ce moment je suis en train de faire le hub là, parce que j'en ai marre un peu de travailler là-dessus. Donc voilà, le but c'est quand on ira dans le Nether, il y aura donc le portail, le hub, et il y aura les chemins du Nether qui ressembleront eux à ça. On pourra voyager à travers l'hyperespace. Alors le truc c'est que de quelle couleur on va le faire ce portail? Ça sera brique. Brique, 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 brique. Tout ce qui est rose, ça sera cuivre, tuyau de cuivre. Ça sera aussi du cuivre. C'est affreux. Putain, en fait, j'aurais dû le faire à l'inverse. Ouais, non, si ça va bien là, là. Portail du Nether. Ok. J'ai plusieurs designs de roues crantées. Décevant la trail chamber, tu rigoles. Et moi je trouve ça génial de fou. Je trouve c'est un bête d'ajout à Minecraft. En plus de tout ce que tu peux trouver tout dedans. Oh, moi j'adore, perso. Ah oui, c'est exceptionnel pour le cuivre. Moi qui avais besoin de cuivre, là c'est incroyable. On va faire les tuyaux. Avec les tuyaux, ça va tout changer. Alors, par exemple, ce tuyau. Alors, Crystal. Bon. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Des petits détails, vraiment les petits détails, genre ça. On dirait une gigantesque distillerie. C'est vrai. Voilà, comme ça peut être. Voilà, ça c'est bien ça. Oh, je crois que je vais pouvoir m'arrêter là tranquillement. Oh, voilà. Et comme ça, après, hop, j'arrive là, tac. Et là, on sera dans un hub. Il sera fermé. Finalement, on était dans le même style hein, pour celui-là. C'est marrant, il fait beaucoup plus carré, je trouve. Après, je peux pas réellement faire mieux pour le portail. Ah, oh, purée, je parais musclé. Enfin, entre guillemets. Vous avez vu un chien passer par là. Passer par là.